E-SWAT. Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve sur le test de Cyberpolice eSWAT, sorti en 1990 sur Mega Drive, édité et développé par Sega, sorti initialement en arcade en 1989, sur Mega Drive et Master System en 90, sur Atari, Amiga, Commodore et ZX Spectrum en 91. On incarne, comme vous voyez à l'écran, je vous laisse tourner la démo pour une fois, tiens, Duke Oda, qui est un nouvel recrue de la Cyberpolice de la ville de Liberty. Et qui va donc faire régner l'ordre en luttant contre l'organisation criminelle AI. Et qui, avant de se voir octroyer la combinaison Ice que vous avez vue dans la démo tournante, dans l'intro du jeu, va devoir faire ses preuves. Donc les deux premiers niveaux, on jouera sans la combinaison. Et les niveaux suivants, on jouera avec la combinaison. Donc c'est un jeu qui ne m'a pas été conseillé, mais qui m'a été prêté par un autre testeur dont je vous ai déjà parlé. On va se mettre en easy, hein, vous comprendrez plus pourquoi après. Un autre testeur qui s'appelle Julia 34, qui me l'a prêté parce qu'il m'a confié sa Mega Drive il y a quelques temps à switcher, parce que malgré mon excellent tuto, bah, il se sentait pas de le faire lui-même, ce que je peux comprendre. Et du coup, il m'a prêté ce jeu pour que je puisse tester, parce qu'il savait pas si j'avais à ce moment-là si j'avais des jeux japonais ou américains ou pas, pour pouvoir tester le Switch. Et du coup, il m'a mis celui-là dans le paquet, et bah, j'ai oublié de lui rendre, en fait. Quand je lui ai renvoyé sa console, j'ai oublié de le mettre dans la boîte. Et du coup, bah, j'ai dit, tiens, puisque je l'ai, autant le tester. Et bah, c'est ce que je vous fais maintenant. Alors, sachant que c'est pas un test qui va durer très longtemps, parce que ce jeu est d'une difficulté, alors pas au début du jeu, hein. Merde, je fais des conneries déjà. Pas au début du jeu, mais rapidement, le jeu se corse, hein. Rapidement, le jeu devient super dur, principalement quand on a la combi. Chose étonnante, parce que la combi, normalement, bah, ça nous permet de devenir super flic, mais pas du tout, en fait. Donc, on a une touche pour tirer, une touche pour sauter C, et A, normalement, ça sert à changer d'arme, mais en tant que rookie, hein, en tant que débutant dans la police, on n'a pas accès à d'autres armes que notre pistolet de service, notre arme de service. Ça servira surtout pour les niveaux suivants, pour changer d'arme avec la super armure, l'armure Ice. Vous voyez, bon, a priori, un héros assez maniable, a priori seulement, que vous le verrez avec le... Vous le verrez sur, avec le, au troisième niveau, en fait. Et probablement que je ne passerai pas le troisième niveau. Si j'y arrive, c'est un coup de bol. Et oui, il y a des jeux comme ça qui me résistent. Parce que j'ai un skill moisi, tout simplement. Hop là. Vous voyez que, de prime abord, le... Moi, je trouve que la façon dont a le, enfin, la façon qu'a le personnage de se déplacer, la façon qu'on a d'attaquer, etc., je trouve que le, il y a une analogie avec avec Shinobi. Alors, je sais plus si c'est le premier ou Revenge of Shinobi. Je trouve que ça ressemble un petit peu. Mais la ressemblance s'arrête là. On sent bien que ça a été développé par les mêmes personnes, hein. Là, premier boss, l'hélicoptère. Ah merde! Vous voyez que là, je l'ai touché, mais il m'a pas fait mal parce que j'ai pas touché les balles. Donc encore un point commun avec Shinobi, on peut toucher certains ennemis sans se faire hit, puisque dans Shinobi c'était pareil, il me semble. On pouvait toucher, on pouvait se faire taper, enfin rentrer en contact avec les ennemis sans. Merde, ah, sans se faire toucher forcément. Et par contre, il fallait éviter de rentrer en contact avec les projectiles, évidemment. Donc là, voilà. Là ouais, je suis mort. Voilà. Je me suis fait toucher trop de fois, je suis mort. Ça commence bien. De toute façon, il vaut mieux que je fasse durer les deux premiers niveaux, puisque je vous dis, au troisième, c'est la fin. Je trouve que la réalisation de ce jeu est très propre. Surtout, l'hélicoptère est bien fait, là. Pour 90, sur Mega Drive, je trouve que la réalisation est quand même super propre. Hein. Il y a quelques effets de tremblement qui sont un peu bizarres, mais ça, c'est dû à la capture RGB. Ah merde, voilà. C'est dû à la capture RGB, hein, les effets de stries, c'est normal. On peut pas faire sans. Là, on va le bourriner. Ça a pas suffi à le tuer. Là, il va revenir par là. Voilà, je l'ai eu. Et là, normalement, vous avez un effet de clignotement un peu bizarre. C'est dû à la capture RGB, tout simplement. Mission completed. Voilà. Et là, vous avez une voix sur Mega Drive, une voix digite qui ne crépite pas, qui ne grésille pas. Comme quoi, c'est possible. Hein. Donc, ça, c'est toujours l'anecdote. Quand j'en trouve une, je vous le précise. Là, on va aller visiter une prison de haute sécurité. Voilà, infiltrer la cyber-prison, où il y a des espèces de robots qui ont été envoyés pour foutre la merde.
Là, un petit passage original, on est sur un chariot et en fait, on se dirige sur des rails. Alors, tous les ennemis sont à l'arrière-plan. Les ennemis, le décor, tout est à l'arrière-plan et nous, on va, à un moment donné, on va rentrer. Il faut essayer d'éviter les canons. On va rentrer dans ces arrière-plans. Hop. Alors là, je crois qu'il y a des canons. Merde, il y a des canons qui vont me faire chier. Ouais. C'est pas grave. Alors, par contre, là, je me suis pris une salve. Les mecs, ils me voient pas, mais ils tirent en continu, quoi. Ici, pareil, ces effets de laser, je sais pas comment ça va rendre. Sur mon écran monitoring, c'est tout pourri. Mais bon, c'est un écran plat. Là, on a des espèces de mecs qui sont tirés de soit de Vendredi 13, soit de Splatterhouse, avec les masques. Je sais pas ce qu'ils foutent en prison. On leur a laissé leur masque et leur boulet, leur chaîne de... Comment ça s'appelle? Un Morning Star, ça? Une chaîne... une masse d'armes, quoi, une chaîne. Allez, hop, on avance. Je vous dis, c'est pas un test qui va durer très très longtemps. Hein. Au niveau musique, les thèmes sont sympas, mais malheureusement, ils se répètent. C'est-à-dire que un peu plus loin dans le jeu, on aura les thèmes du premier niveau qui vont revenir. Le thème des boss est toujours le même, qui est correct pour un boss, mais le problème, c'est que vers la fin, ben, on va avoir ce thème-là pour le niveau complet. Donc c'est un peu dommage. Hein, ils ont pas été très très fins sur la réalisation audio. De même, il y a certains bruits, quand on touche des ennemis, ça fait une espèce de faux bruit métallique. Pas là, hein, mais quand on touche certains ennemis, ça fait une espèce de faux bruit métallique très strident, très agaçant. On n'a pas les grésillements sur les voix digites, mais par contre, on a des aigus assez stridents, donc c'est dommage, ça. Hop, voilà. Voilà, on peut se baisser, on peut se tourner en se baissant, ça sera très, très utile pour le deuxième boss, vous allez le voir. On va bientôt y arriver. Un niveau assez court. En fait, on va tout en haut et après on redescend étage par étage. Sachant qu'on peut monter au premier étage, mais on ne peut pas accéder au suivant. Et il faudra éviter, il y a un trou juste avant la fin du niveau, il faudra éviter de retomber. Je soupçonne Julien34 de m'avoir prêté ce jeu, sachant très bien que je ne lui rendrai pas tout de suite, pour me forcer à faire une vidéo calvaire en fait. Vous savez que Julien et Ayur Saeba, un autre testeur que j'adore, vous savez, se transmettent régulièrement des demandes de vidéos calvaires. C'est-à-dire qu'ils se suggèrent l'un l'autre des jeux tout pourris ou des jeux difficiles. Pas seulement tout pourris, hein, mais aussi des jeux difficiles. Et ils font une vidéo calvaire, c'est-à-dire qu'ils galèrent à mort, quoi. Alors là, je pourrais récupérer ça. Ça me permet de récupérer toute ma vie. Mais je vais pas le faire parce que je vais de toute façon tomber sur le tapis roulant. Je vais tomber sur les pics à cause du tapis roulant parce que le personnage n'est pas hyper maniable. Notre flic blond. Alors là, il faut se mettre là. On est obligé de se faire toucher au moins une fois. Et après, on reste baissé. Et il faut surveiller celui de droite, là. Parce que lui, il va se baisser, mais pas l'autre. L'autre, il va nous mitrailler en continu. Mais en l'air. Donc on peut se baisser. Mais par contre, il faut se retourner à chaque fois qu'il revient à droite. Parce qu'on peut tirer dans... On peut shooter ses tirs, en fait. Chose, encore une fois, qu'on pourra plus faire dans la suite. Parce que là, c'est des balles, je pense. Et par la suite, dans le jeu, les ennemis nous balanceront des rayons d'énergie qu'on pourra pas parer, tout simplement. Qu'on pourra pas détruire. C'est là qu'on va prendre du galon. Vous voyez, on est passé de Captain à Chief et de Chief à Iswat. Et Iswat, ça nous permet d'avoir accès à l'armure Ice. Et l'armure Ice, vous allez voir comment on s'en sert. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer d'aller tout doucement dans le niveau 3. Défendez Neo 3000. Je sais pas ce que c'est Neo 3000, c'est le niveau, donc ça doit être le nom de cette installation chimique. Là, on a donc la même arme que tout à l'heure, mais en plus rapide. Donc notre combinaison Ice, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet surtout de sauter. Alors, si on saute, vous voyez, on saute pas beaucoup plus haut. On saute et on reste appuyé sur A, sur C, et on flotte. Et il se passe rien. Par contre, dès que je me déplace, vous voyez que la barre de burner, elle diminue. Parce que juste du carburant. Donc ça, c'est assez intéressant. Plus loin dans le jeu, ce sera super utilisé. Mais par contre, c'est pas super maniable, quoi. Vous allez voir, notamment ici, ça va commencer. Alors là, on a chopé une autre arme, le PC, le Pulse Canon. Pulse Canon, c'est un canon qui se charge tout seul et qui fait ça. C'est un genre de canon à la Mega Man, mais sinon, bah... On peut tirer en continu des petites salves d'énergie, ou alors on attend. Et rapidement, il charge une grosse boule. Dès qu'il y a une petite sphère devant le canon, on peut tirer une grosse boule. Là, faut faire gaffe, il y a des mecs qui sortent des containers.
Faut pas oublier de rester appuyé sur... Hop. Là, on peut pas monter là-dessus. Là, il faut faire gaffe parce que lui, il est chiant. Là, le truc en dessous, on peut pas l'atteindre. Merde. Là, je me fais hit en continu. Donc là, vous voyez, je me dépêche. Je suis passé vite fait parce que je peux rien faire à ce niveau-là. Là, faut attendre que le truc, il explose, en fait. Parce qu'il y a ces mecs-là. Et par contre, je vais bientôt crever. Level up, vite. Hop, voilà, nickel. Et merde. Putain, l'autre, il m'a touché alors que je lui tirais dessus. Ce que je vous disais, on peut plus parer les tirs. Une fois qu'on est en armure, c'est des tirs d'énergie. On peut pas les parer. Alors là, faut faire gaffe. Il y a des mecs qui vont arriver derrière moi et devant moi. Voilà, nickel. Lui. Voilà, et là, il faut être très prudent. Merde, j'avais oublié ça. Quand on shoot le mec qui vole, en fait, c'est comme nous, il a un booster, mais on lui shoot son booster et après, il nous retombe dessus. Et là, on recommence au début du niveau, ça, c'est cool. On a le super, qui est une mitrailleuse. Alors, je précise que quand on meurt, on perd l'arme qu'on était en train d'utiliser, sauf l'arme normale, évidemment. Et donc là, ça va parce que je sais exactement où sont les ennemis, quoi. Voilà, là, je sais qu'il y avait un ennemi, etc. Allez, on y va, hop. Voilà, là on y va, hop. Obligé de bourriner. En plus, il y a les mecs là qui tirent des trucs en l'air, là. Voilà. Des tirs en cloche, des tirs paraboliques. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas ce jeu, clairement. Vous l'aurez compris. Hein. Ce jeu, je l'aime pas du tout. En plus, l'autre, il va me choper quand les trucs vont exploser. Merde, putain. Je me suis fait toucher par quoi, là? Voilà. Choper un petit peu de vie, mais malheureusement, je pense que ça suffira pas. Vous voyez, hop, pas évident en plus. Vous voyez, le problème, c'est que lui, notre héros, en armure, même en armure, il sait pas tirer en diagonale. Ni vers le haut, ni vers le bas. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il sait pas tirer en diagonale, il a des tirs tout droit. Oh putain, voilà. Là, on va choper le fire, qui est une arme que je vais vous montrer tout de suite, comme ça vous la verrez. C'est une espèce de smart bomb de proximité. Voilà, ça fait ça. Et ça vide tout le burner en faisant ça. Une fois qu'on a plus de burner, ça s'arrête. Et on l'a perdu. Voilà, attention. Mais vous voyez, le problème aussi, c'est que dans le premier niveau, quand un ennemi tirait à hauteur normale... Là, vous voyez, j'ai plus de barre rouge pour mon burner. Je peux plus faire de me déplacer avec. Là, je vais attendre que ça se recharge. On va aller au boss qui va me poutrer, hein, clairement. Je vais essayer de survivre. Ça m'étonnerait que je le batte. Concentration. Ah putain, faut que j'utilise le burner un petit peu. Lui, il faut le shooter quand il a plus son espèce de masque. Voilà, comme ça, il faut essayer de passer au-dessus. Merde. Ah, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai vu. Heureusement que je suis en mode easy. En mode normal, je le battais pas, parce qu'en mode normal, la seule différence entre le mode normal et le mode easy, c'est la barre de vie en mode e-swat. Donc là, vous avez vu, j'ai, je sais pas, 7 ou 8 carrés. J'en ai que 5 en mode normal, et en mode hard, j'ai même pas été voir. À mon avis, c'est pareil. Soit c'est pareil et les ennemis sont plus puissants, soit il y en a encore moins et là c'est chaud. Alors là, le niveau à la con. Déjà, on n'a pas de burner. Et c'est le niveau du chimiste. Hein. Vous allez voir qu'on a des coulées une espèce de coulée de pétrole un peu partout. Alors c'est pas du pétrole, c'est un truc toxique. Il faut défoncer la porte, il faut tirer dedans pour le faire reculer. Et là, vous allez voir tout de suite une pluie de cette merde. Donc faut se dépêcher. Je peux rien faire, je peux leur tirer dessus, mais. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu le truc? Donc déjà, rien que ce passage-là, il est abusé. Clairement, c'est abusé. Donc là, ça va, je reprends avec toute ma vie. Donc je vais le passer, forcément. Mais j'irai pas beaucoup plus loin, quoi. Parce que tout simplement, mon personnage ne peut pas avancer en tirant en diagonale. Il peut pas tirer en diagonale, donc je suis obligé de faire ça. Voilà. Voilà, là, j'ai perdu 3 carrés de vie, rien que là-dessus. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un auto-fire sur cette arme-là. Ça va me permettre de me démerder un petit peu. Vous voyez, là, ça devient des espèces de gros slimes. Bon,
C'est... Le level design est assez original dans les thèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau qui se ressemble. Donc ça, c'est bien. Et si ce truc-là, il faut essayer de le... faut essayer de le laisser passer sans se faire toucher, voilà, comme ça. J'ai pas... Alors là, faut pas oublier de tirer en l'air. Putain ! Voilà, vous voyez, je tire en l'air, mais le truc, faut... Il a une toute petite Xbox, hitbox. Allez, ça recommence avec la Xbox. Il a une toute petite... La Xbox One ! Il a une toute petite hitbox. Et du coup, ben, je me fais avoir. Là, ici, pareil, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a du liquide qui va faire monter la plateforme. Et il va y avoir des petits trucs qui vont sauter. C'est quand ça veut. Hein. Faut avancer, non, c'est bon, le vlog. Vous allez voir, ça va me sauter dessus. Et je peux rien faire concrètement. Je peux rien faire parce que bah, je sais pas d'où ils viennent en fait. Donc je peux juste les essayer de me déplacer comme ça pour les éviter. Vous voyez, c'est là où il y a des petites volutes comme ça. Donc faut que j'essaye de... d'anticiper. Bon, ça va, je me suis bien démerdé. Mais ça m'étonnerait que j'aille beaucoup plus loin. Je sais même plus ce qu'il y a ici. Bon, il n'y a rien de spécial. Voilà, mais c'est un jeu qu'il faut connaître par cœur. C'est un jeu qui a, assez, qui a une difficulté assez... Hop, ici, il faut faire tomber ces trucs-là. Le problème, c'est que j'ai... Alors là, je suis obligé d'utiliser le... Voilà, je suis obligé d'utiliser ça. Et merde. Voilà, hop, vite, 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 vite. Merde. Et voilà, je suis... Mais comment je fais? Mais je peux rien faire, là. Je suis obligé de crever, en fait. Je tombe là-dedans, je suis obligé de crever. Voilà. Et là, je vais reprendre, bien entendu, au début du niveau. Ah non, il y a un checkpoint, tiens donc. Oui, alors, n'ayez pas peur, je découvre. Parce que c'est très rare que j'arrive à ce niveau-là. J'y suis arrivé, puis en fait, bah oui, c'est ma dernière vie ici. Donc là, j'ai plus le machin, donc je suis obligé de faire comme ça. Là, je vais attendre un petit peu que ça monte. Voilà. Là, je pense qu'il va y avoir une coulée derrière moi. Il est bien évident que je ne l'ai pas fini, ce jeu. Hein, vous vous en doutez. Là, il y a une espèce de... Putain, une espèce de robot de merde, là. Bon, ça va. Je vais quand même être un tout petit peu plus loin que ce que je pensais. Putain, il faut pas se faire toucher. Notre frame d'invulnérabilité, elle est très courte, notamment par rapport au premier niveau. Je vous ai même pas parlé de grand chose en fait sur ce jeu. On va reprendre une partie, là, pas de continu bien sûr. On va reprendre une partie du début et vite fait je vais conclure. Hein. Ce jeu, moi j'aime pas, clairement. J'aime pas du tout. Autant je salue l'effort. Je salue les. Ouais, c'est bon, il soit, on a compris. Hop, je salue. Je prends que 3 vies. Bon. Je salue l'effort, hein, de l'idée de la combinaison, les multiples armes, etc. C'est sympa. Le jeu a une réalisation correcte. Pour 1990, c'est correct. Maintenant, je sais pas si c'est la version japonaise ou si c'est vraiment toutes les versions du jeu qui sont comme ça, mais concrètement, le jeu est super dur, quoi. Ah oui. Le jeu est super dur. Dès le niveau 3, allez, on va dire que le niveau 3, bon, c'est la découverte. Après, le niveau, même à partir du niveau 4, quoi. Et il y a 7 niveaux. Il y a 7 niveaux en tout, donc... Voilà, c'est un jeu qui est frustrant, qui a une difficulté frustrante. Un gameplay quand même assez rigide, bizarrement plus rigide avec l'armure qu'avec le simple flic. Vous voyez, avec le simple flic, ça passe tout seul, quoi. Moi, je pourrais, entre guillemets, on pourrait faire un jeu que comme ça. Ce serait pas super original, mais ça passerait, quoi. Je veux dire, il se manie super bien. Bon, après, il affronte des mecs, il affronte pas des robots non plus. Hein. Donc, tout le long du jeu, on va affronter des robots, des slimes, des machins, tout ce que vous voulez. Chose qu'on n'affronte pas ici. Donc là, normalement, il y avait un ninja en bas, mais il n'y avait pas apparu parce que j'étais pas devant. On va se refaire l'hélicoptère et puis on va se laisser là. Hein. Concrètement, moi, j'aurais apprécié que le gameplay en armure soit plus souple. Qu'on ait, par exemple, un bouclier pour se protéger de certains projectiles, un bouclier d'énergie. Un truc qu'on aurait pu recharger ou... Bon, voilà, ils auraient pu pousser un petit peu le concept un peu plus loin. Alors vous allez me dire, c'est un jeu d'arcade à la base, donc c'est normal que ce soit dur. Oui, mais quand on fait un portage, il faut s'adapter à son public. Surtout que sur arcade, il y a des continues. Sur arcade, il y a des continues. Ici, il n'y en a pas. Donc le jeu est super dur. Voilà, c'est ce que je lui reproche.
Super dur, merde, super dur et frustrant. Ah, il va apparaître de l'autre côté. Non, merde, bon, je suis mort. Bon, écoutez, on va se laisser là. Hein. Merci Julien34 de m'avoir prêté ce jeu involontairement. Je vais te le rendre, t'inquiète pas, je vais pas le garder parce que je vais pas y rejouer, concrètement. Je vais pas y rejouer. Là, c'est pas possible. Hein. J'aime pas du tout, donc je vais te le rendre rapidement. Avant de le passer par la fenêtre, je vais te le rendre. Parce que bon. qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? Bon, après, vous aimerez sans doute. Hein. Je sais que parmi vous, il y a sûrement des gens qui ont connu ce jeu à l'époque et qui l'aiment bien. Ou qui aiment bien la version arcade. Je sais pas ce que vaut exactement la version arcade. À mon avis, elle est un peu mieux. Puis surtout, il y a probablement des continues, puisque c'est une version arcade. Donc, il y a des crédits, etc. Mais bon, c'est un petit peu dommage que le portage soit aussi difficile et aussi frustrant à partir du moment où on a l'armure ISWAT. Merci à tous d'avoir suivi ce test de ISWAT, ce test RGB de ISWAT sur Mega Drive. C'était Doc McCoy. Salut !